Qui n'a pas levé la main sur les confessions? Jeune homme, qu'est-ce que tu es? Hindou. Hindou? Pardon? Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ce complexe de l'immigré là? Ah, désolé. Ton prénom? Hein? Oh la déception. On voulait voyager nous là. On attendait Krishnawanga, un truc un peu... Comment t'es pas asiatique? Mais non, c'est qu'il y a que ton arrière-grand-père. Si toi aussi tu penses que c'est un asiatique, tape dans tes mains. On est sur une unanimité totale. Mais tu... Si, Corentin. Ton arrière-grand-père est coréen. Et tes parents sont quoi? Chinois, mais... On est sur le mec le plus nul en géographie de tout le pays. Je suis pas asiatique, je viens de Chine. Comprends pas, lui? La Chine, oui. À côté du Brésil, oui. Mais con, quoi? Je suis américain, d'accord? Il est incroyable. Qu'est-ce qui était un piège? C'est moi qui ai dit coréen. Tu viens de faire un vie-ma-vie sur... Si toi aussi, tu sais très bien que c'est lui qui a dit coréen, tape dans tes mains. Il est choqué. Ah ouais? Mais qui est cette personne? Corentin, chinois donc. Coréen. Je vais le biffler, je vous jure, je vais le biffler. Qui est chinois, Corentin? Ton arrière-grand-père est chinois. Ok, on va descendre. Donc ton grand-père est quoi? Il va saigner du nez, je vous jure, il va saigner du nez. Ton grand-père est quoi? Vous êtes ensemble tous les deux? Tu sais que c'est héréditaire ces conneries, hein. Tu ne peux pas prendre le risque de te reproduire avec cette personne. Encore, je dis personne pour être poli. Pour moi, t'es un amphibien. Voilà, je te le dis. Ton grand-père est quoi, du coup? D'origine indienne. Parce que son père est coréen. Donc ta grand-mère est indienne. Mais ton grand-père n'est pas indien. Non. On va parler de ça pendant 20 minutes, j'en ai rien à foutre. Je veux tout savoir sur cette personne, d'où il vient, comment, pourquoi, avec qui et quand est-ce que ça va cesser. Corentin, ton arrière-grand-père est coréen. Chinois. Chinois, mais il a dit coréen! Mais qu'est-ce que je fais avec lui? Les gens sont gênés, ne nous parle pas s'il te plaît. Il a raison, c'est peut-être contagieux, je veux pas que... J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai un travail, je veux pas. Ton grand-père est indien, ta grand-mère est indienne. Tu te concentres pour vraiment pour... Il a fermé les yeux, il a fait, attends. Mon grand-père est indien, ma grand-mère... Ça je l'ai, c'est bon, ça je l'ai. Leur enfant, c'est ta maman ou ton papa? Elle est indienne. D'origine, oui. Oui, pas de pointure de chaussures, Corentin. Oui, d'origine. Et ton papa? D'origine sicilienne. Sicilienne. En Afrique, quoi. Donc ses parents sont italiens. Les deux. Oui. Donc tu es indien, italien. Oui. Et d'origine, il y a longtemps, hein. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Qui n'a pas levé la main? Monsieur en rose. J'allais dire mademoiselle en rose, parce que c'est vraiment une couleur de meuf. Mais comme tu le portes très bien, donc ça te va bien. Donc, monsieur, tu as fait ça? Pour dire que tu étais un homme. Mais c'est sûr, c'est un beauf dans les salles de sport, il prend ses potes comme ça. Allô. Il fait des chabites et tout, j'en suis sûr. Lui, c'est sûr. Lui, il fait des chabites, c'est sûr. Mais même au travail, toi, à tout le monde, chabite. Monsieur Roger, s'il vous plaît. Chabite, yeah. C'est une affiche, il n'y a personne. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Guillermo Guy, s'il vous plaît, qui a joué dans le noir? C'est quoi ces conneries, là? Pourquoi tu n'as pas mis de lumière? Est-ce qu'on peut huer mon régisseur? Pas trop, son père est mort tout à l'heure. Ça vous fait rire? Ils savent pas que c'est vrai. T'es content de toi? T'as honte, hein? Ça se voit que t'es un connard, toi. Ça se voit que c'est un connard. Son père est mort, il est content. Son père est mort tout à l'heure. Vas-y, fais des vannes sur la mort de son père, vas-y. Guillaume, dis-leur que ton père est mort tout à l'heure. Non, c'est pas vrai, les gens sont gênés. Mais ils ont l'air quand même très contents de cette mort de... Mais toi, ça se voit que t'es un connard, je vais te dire pourquoi. Guillaume, respect à ton père, non, son père, il est pas mort, mais voilà, il est là-haut.
Il habite au-dessus. Il habite juste au-dessus de l'Européen. Dans cette salle, 100% du public voit bien l'humoriste. On est d'accord? Il n'y a pas de poteaux, des trucs, vous ne voyez pas, vous êtes mal... On voit tout bien. Moi, de là où je suis, je vous vois absolument tous. Harry Potter, je te vois suspendu là-bas. Je te vois. Et ça me fait plaisir que tu sois venu. Avec ta petite bande de pouf-souffle. Ça fait plaisir que tu sois venu. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit parmi les actifs? Me dites pas 48, je vous en supplie. Mademoiselle. Oui, c'est toi, c'est... vous avez compris. C'est moi, il m'a choisi! On est raccord, vas-y, dis-moi. De la box-production. De la post-production. Explique ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Elle regarde vraiment les gens. Alors, bande d'incultes. De films, de clips, émissions, télé-réalité! Si toi aussi tu veux savoir quelle émission pour la UE, tape dans tes mains. Quelle émission? Les Marseillais. Ah, direct. Ouais, vous pouvez vous lâcher, allez-y. Hein. La pauvre. Non, la UE pas, s'il vous plaît. Dis-moi alors. Les Donc toi, tu fais tous les montages des Marseillais. C'est toi qui prends les rushs, qui coupe, qui met les perles. Vous êtes plusieurs. Bah oui, attends, elle va pas faire ça toute seule. Il faut plusieurs cerveaux parce qu'au bout d'une semaine, le premier cerveau, il part en... Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle, ça va être fou. Le lever de main était magnifique, vous allez voir. Qu'est-ce que tu fais? Avocat. Dis-nous la dernière grosse affaire que t'aies eue. Un truc ouf. Ouais, un truc ouf. Me dis pas... Un viol. Wouh! Raconte-nous, t'as réussi. Et toi, tu défendais la victime? J'y crois pas trop. Elle a fait la victime, victime de... Victime. Et t'as gagné du coup? Les avocats! Comment sent la victime? Money, money, money! Combien elle a gagné? Bah, beaucoup. Beaucoup ou pas beaucoup? T'as dit bah beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup? Ouais, c'était quelqu'un de connu? Non, mais c'était un enfant. Bienvenue à mon spectacle!